beaucoup de gens, moi j'avais été très marquée par les pièces de Feldman pour des peintres, par exemple, ou des poètes. Et en fait, j'ai commencé une série un peu spontanément pour des peintres. Ça avait commencé pour une pièce pour Atonal qui était pour Hélène Frankenthaler. Et celle-ci, c'est la deuxième, qui est pour Georgia O'Keeffe. J'ai vu une rétrospective de son travail à la Tate Modern il y a plusieurs années qui m'avait beaucoup touchée, notamment dans toute sa période au Nouveau-Mexique. Et je suis partie au Nouveau-Mexique voir Ghost Ranch et Abiquiú, là où elle a travaillé, la dernière période de sa vie où elle est très âgée. Alors maintenant, on a beaucoup vu les images, notamment de Stieglitz, cette femme qui se découpe comme ça, c'est très sévère dans un environnement de désert. Ce sont surtout des photos en noir et blanc. Et j'ai été intéressée aussi par le contraste entre ces peintures, qui sont plutôt colorées, et l'image d'elle dans le paysage. Et tout d'un coup, là, j'entendais quelque chose de très musical pour moi, en tout cas très sonore, dans deux traitements de l'image très différents. Lorsque j'ai vu le travail de Georgia O'Keeffe en vrai, donc à la Tate Modern, ce qui était pour moi très différent dans mes livres, je me suis rendu compte que, en tout cas pour moi, son rapport au paysage, au végétal, effectivement, était en relation avec le corps, mais je dirais dans un va-et-vient où ce serait le corps qui ressemble au paysage et le paysage, le végétal qui ressemble au corps, dans cette idée d'une forme cosmique qui peuvent apparaître partout. Et évidemment, tout d'un coup, ça m'a aussi inspiré des types de sons. Et c'est ça qui m'a intéressée chez Georgia O'Keeffe, c'était son rapport entre la vie et l'art, et notamment aussi la vie, l'art, l'architecture et la nature. Notamment, par exemple, il y a toute une série de photographies où on la voit faire la cuisine, jardiner, ramasser des choses. Et tout d'un coup, pour moi, c'est aussi lié à la musique concrète, parce que c'est une écoute du monde où chaque chose peut produire un son, raconter une histoire, créer une image. Voilà, ça me parle beaucoup. Et effectivement, dans ma vie, c'est un peu ça aussi, surtout que je n'ai pas un espace dédié spécialement pour mon travail. Donc je travaille un peu dans toutes les pièces de la maison, à part parfois quand je vais en studio, mais là, c'était pas du tout le cas. Le piano, depuis 2-3 ans, en fait, moi, j'ai fait du piano quand j'étais petite, mais bon, voilà. Et c'est un instrument que j'aime beaucoup parce que pour moi, il est très associé à l'écriture. Je le vois un peu comme l'instrument le plus proche de la main du dessin, de l'écriture, quelque chose qui part d'un point et qui va vers un autre point. Pourtant, on joue avec les deux mains, mais peut-être que moi, comme je ne suis pas du tout pianiste, mon jeu de piano, il est très très simple, très, très rudimentaire, je dirais, mais il installe une narration, il crée une ligne, peut-être même parfois je dirais un horizon, vraiment comme si c'était l'horizon dans l'image ou dans le son. Et en fait, j'ai commencé à en jouer live depuis à peu près 2 ans, et du coup à l'intégrer aussi beaucoup plus dans mes pièces. On a vraiment en fait travaillé cette notion d'espace qui l'a donnée et qui est, je pense, très forte. Et aussi le fait d'être derrière la console, donc que ce soit il y a tout d'un coup la voix, parce que j'utilise la voix dans la pièce, se substitue à moi qui la performe, et elle devient aussi encore une fois une ombre. Et de construire un paysage comme ça, uniquement avec des speakers, c'est très beau, hein. C'est excitant. Défaire la bobine. Et comme elle,
I just had that dream. It was not about you. But it was your colors in it. You in black and white, in the middle of the colors. The windows, the soil, the absence of water, far, not always there, the knots. Wish it was mine, the fireplace, the textile, the sun. Brushing the distance, Georgia, sit, look, cook.